C'est encore l'histoire d'un ogre. Mais celle-là, elle est rigolote. C'est donc un ogre, un gros ogre, un gros plein de soupe qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et un gâteau. Il est bien embêté, l'ogre. Le château là-bas, de l'autre côté, c'est chez lui. Mais pour traverser, il n'a qu'un tout petit bateau. Il ne peut prendre qu'un passager à la fois. Alors il fait d'abord traverser la petite fille pour que le loup ne la mange pas. Puis, vite, il revient chercher le loup avant qu'il ne mange le gâteau. Mais le loup n'a pas mangé le gâteau, il déteste ça, les gâteaux, pouah, il préfère les petites filles. Ça, c'est bon, la petite fille, c'est tendre, c'est sucré, miam miam. Maman ! Mais, au cri de la pauvre enfant, l'ogre a compris les intentions du loup. La petite fille, c'est pour moi, rugit-il. C'est moi qui vais la manger, allez hop ! Demi-tour. Non mais quel goinfre celui-là ! L'ogre débarque le goinfre et embarque le gâteau. La petite fille, elle adore ça, les gâteaux. Surtout les gros pleins de crème. Maman ! Mais au cri du gros plein de crème, l'ogre a compris les intentions de la petite fille. C'est mon gâteau, c'est mon dessert, c'est moi qui le mangerai, rugit-il en faisant une nouvelle fois demi-tour. Non mais quelle bande de goinfres ! L'ogre reprend le loup, qui, cette fois-ci, ça y est, va pouvoir enfin se régaler. Maman ! Et non, le loup ne se régalera pas. L'ogre est reparti avec Jeannine. Jeannine, c'est le nom de la petite fille. Le loup, c'est Dédé. Le gâteau, on ne sait pas, mais qu'importe. Jeannine va le manger. Il est malin, l'ogre. Et non, Jeannine ne va pas le manger. L'ogre est reparti avec lui. Il est malin, l'ogre. Et hop ! L'ogre débarque le gâteau et repart. C'est gagné. Il ne lui reste plus qu'à ramener Jeannine. Mais que se passe-t-il ? Maman ! Oh là 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 ! Le pauvre ogre ! Ouille, ouille, ouille ! Ça, c'est bête alors.